D'accord. Alors, pour te donner une idée de quoi il ressemble, le mec, c'est un humanoïde hideux qui combine des défenses en ivoire, de la chitine d'insectes, un peu de la carapace, des touffes de poils, une peau écailleuse et bien d'autres éléments étranges. Et le mec, il est sur sa cuve en train de... Ok. Il remue. Ça parle de touffes de poils. Hey, hey, sur les Big Mac Potpac. On peut écouter maintenant. Attends, j'ai une question. C'est bon. Ouais. Vas-y, refermez. Donc, les cubes, elles sont en hauteur, c'est ça? Ouais. Et donc, du coup. Et il y a des échelles, j'ai oublié. Donc, il y a une échelle là, et une ici. Donc, ils ont l'air vraiment au courant de rien, qu'il n'y a aucun bruit. Ils bossent. Et il y a beaucoup de bruit là-bas? Il n'y a pas de bruit. Oui. Et les cubes, elles sont hautes, c'est ça? Ouais. Elles sont plus hautes que moi. Alors. Cette salle, à chaque fois, je me paume un peu. Cette pièce occupe tout un côté du bâtiment, depuis le sous-sol jusqu'au toit. 7 cubes de fer de 3 mètres de diamètre, chacune emplisse tout l'espace. Des fourneaux chauffent et le cube au niveau du sous-sol, tandis qu'au rez-de-chaussée, on a installé des planches. Donc les planches sont au même niveau que toi, en fait. D'accord. On a installé des planches pour accéder à une échelle qui mène à une passerelle au niveau supérieur. Deux échelles permettent ainsi de descendre au sous-sol depuis les planchers. Depuis les planches, l'air est saturé d'acide et étouffe. Et il y a quoi au-dessus de moi? Au-dessus, il y a du plafond. Et il y a une ouverture pour la cheminée. D'accord. Et donc la fumée vient... En gros, là, le sol, il est à 4,50 m. D'accord. Et le plafond est à 6 mètres au-dessus de toi. Ok. Ok. Bah, je vais... La porte, ça fait pas de bruit. Non, ils ont peur de t'avoir remarqué. Hein. Bah, je referme discrètement. Ouais. Et je raconte tout ce que j'ai vu. Bah, à tout c'est monde. Parti. Les gens... Alors. Chut, parle pas fort. D'accord. Quoi? Il y a 5 grandes cuves avec plein de travailleurs en dessous. En dessous de notre. En fait, c'est un gros trou, c'est un gros vide. Avec 5 cuves et des travailleurs qui sont en train de travailler. Et ils sont affreux avec des grosses touffes de poils. Des grosses touffes. Des bad dogs. Bref, ils sont affreux, ils sont dégueulasses. Genre, donc des genres de golems, quoi. Ouais, et dans les cuves, il y a des sortes de loups-garous. Des loups-garous golems. Ah, oh. Dans les cuves, il y a un sorte de truc vert. Ouais. De la colle. Enfin, c'est dégueulasse. Et ils ont l'impression de d'avoir vu rien du tout. Silence! Et si maintenant on allait voir au niveau de la double porte sous la grange? J'ai l'impression que la double porte donne. Parce qu'en fait, à partir de ma porte, il y a une petite plateforme. Et toujours deux. Enfin, à notre étage. Et après, c'est le vide. Il y a une échelle qui passe d'un autre côté. Et je pense que la double porte va nous mener de l'autre côté. Bon, bah on teste la double porte alors. Chut! On teste la double porte. On peut prendre une échelle pour descendre, là. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, donc on pourrait donc, on va faire la même chose sur la double porte. Ok. Ça a l'air d'être quoi, ce bestiole? Je sais pas. Ils sont en train de travailler. Ouais, mais c'est quoi? Mais c'est tu vois les hommes crabes? C'est pareil. Les hommes crabes. Non, c'est pas contractuel. L'image n'est pas contractuelle du tout. Parle comme des hommes. Ça, c'est un zombie. On le goût du crabe. En gros, ils sont une sorte de carapace. T'as dit de la chitine. La chitine. J'ai une très mauvaise mémoire. La chitine. Avec. Ils ont des cheveux. Ah bah non, des poils. Vas-y. Ah, je te dirai pas plus, hein. Oui, je sais. Au pire, si vous voulez voir. Alors, tu vois, moi, la discrétion, c'est pas mon truc. Des mecs qui ont de la chitine, et des cheveux, et des grandes dents, et des trucs. Donc en gros, ils ont une carapace façon insecte. En fait, c'est un mix homme-insecte. C'est la meilleure, celle-là, je suis censé savoir. Ils sont très silencieux. Quoi? Je sais pas. Je vois le type de la bestiole. J'ai aucune foutue idée de ce que c'est. Bah, attendez. Bon, on regarde l'autre part. Ouais. Mais, en fait, j'ai comme l'impression que ces bestioles, ils travaillent pour Arborstag, quelque chose. Mais je sais pas si c'est pas une bonne idée. Sauf que c'était. Thank you.
Bah, on va tester l'autre porte. Puis après, on choisira en connaissance de cause. Voilà. Il y a une porte au fond aussi, tu m'as dit. En fait, tout ce qu'il y a là, c'est en profondeur. Ça, c'est à notre niveau. Enfin, c'est juste que ça donne à la porte. Et là, il y a une échelle qui va en bas. D'accord. Y a... Sinon, ça, c'est aussi au même niveau que là. Mais j'ai comme l'impression. Enfin, je vois pas en fait ce qu'il y a là. Mais j'ai l'impression que ça, ça peut mener. Ça peut nous mener. Ouais, alors... J'ai aucune certitude. Ouais, bah, on va regarder. De toute façon, si on descend, il faut nous repérer. Ouais, tout donc, mieux vaut tester la porte. Parce que je sais pas si c'est plus sûr que pas. Enfin, à mon avis, ils sont contrôlés par les autres. Vous avez combien en faucheur local? En faucheur local? Alors, moi, c'est 0. Je dois avoir moins 40, c'est pas ça. De quoi tu peux répéter? Faucheur local. 0. 5. Donc, tu l'as la compétence ou t'as rien? J'ai un trait. Donc je alors, c'est que tu l'as pas. J'ai 6. J'ai pas. Moi j'ai 0. Moi j'ai 5. Bah vous 3. Non pas toi. Vous 2. À la description de ce qu'elle vous en a dit, ce sont probablement des bâtards. Des bâtards. Des bâtards. C'est alors c'est pas bâtards, genre, voilà. C'est pas des Jon Snow et des Ramsay Bolton, mais non, en fait, ce sont des humanoïdes monstrueux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été recousus, c'est pas des golems, ils sont naturellement comme ça. Ah ouais. Donc, c'est des humanoïdes avec des particularités un peu cheloues. Genre, c'est papa humanoïde qui allait baiser maman crabe. Non, c'est ça c'est un mutant. On sait pas trop, on sait pas trop d'où ça vient, ce truc-là. Ils sont pas gentils. Ils sont. Pas forcément. C'est des hommes crabes, quoi. Bon, on teste quand même l'autre porte pour oui, voir. Hein. Ah, quand même, hein. Ouais. Donc, le même dispo. Bah, du coup, c'est moi qui l'ouvre. Mais c'était plus discrètement, toi, excuse-moi. Excuse-moi, hein. Détection de la machine. Poum, poum, poum. Détection de piège. Tu l'as déjà fait, non. Détection des bâtards. Bâtards. Ah, y en a plein. Détection de bâtardise. Non, là. Bah, j'ouvre très discrètement la double, une, enfin, la double porte. Eh bah, vachement réussi. Je parle pas au bâtard. J'ai jamais su dire non. Quoi? Personne n'a jamais regardé J'ai jamais su dire non. Si, si. Si. Je parle pas au bâtard. Je sais pas, c'est pas un bâtard celui-là. Cette pièce contient des boîtes, des caisses et des ballots de paille pour l'emballage. Alors. Encore une double porte. Ouais, mais est-ce qu'il y a des humains? Hop, clac, clac, avec des oui, caisses. Hein, voilà, escaliers des pour caisses. Tout le monde voit des caisses. Non, il y a toi. Jusqu'au roi des bâtards. Mmh. Et le roi des bâtards. Et non pas le bâtard du roi. Initiative. Non, sérieux? Initiative. C'est parce que j'ai dit le roi des bâtards. Tu pouvais pas la fermer, non. C'est pas possible, ça. Oh, les prêtresses de Calestria, là. Ça crie pour nous. Moi, tout j'ai rien contre les bâtards. Tu parles pas aux bâtards? J'ai jamais dit ça. Ouais, quand même. Donc non contractuel, ils sont pas en mode. Ça fait beaucoup de bâtards. Mais t'as dit qu'ils étaient pas méchants. J'ai jamais dit ça. Ils ont dit qu'ils semblaient pas nous attaquer. 11. Non, qu'ils étaient pas forcément méchants. Mais tu leur as parlé, tu leur as demandé leur avis, j'ai fait une initiative, ça veut pas dire qu'ils vont attaquer. Hein. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Alors, et Maogan 20. Ça marche. Et bah, Maogan, elle vient d'ouvrir la porte Imperia. Tu vois trois bâtards en train de s'affairer à déplacer des caisses et à mettre des trucs dedans. Est-ce qu'ils m'ont vu? Ouais. Est-ce qu'ils ont l'air énervés? Ils ont l'air surpris et ils sont en train de lâcher ce qu'ils avaient dans les mains. Est-ce qu'ils veulent me bouffer?
Bonjour. Bah dis bonjour, ça fait genre. Bon, on a Dolores. Bonjour, je cherche. Attends, je fais. Ah, excusez-moi, je referme la porte et je me barre. Oh, mais la lâche quoi. Oh merde. Déplace-toi. Ah non. Excusez-moi les mecs. Il s'appelle comment le mec? Von Ernestrein, je sais pas. Vork. Bonjour, je cherche Von Ernestrein. Green. Alors, Imperia, bluff, ça c'est fait. Dolores. On les attend là. Qu'est-ce qui se passe? Bah je sais pas, elle a rien dit, elle a fait excusez-moi, elle est ressortie. Dolores. Ah je joue pas. Oui. Non, tu joues pas encore parce que tu. Elle avait encore rien fait, toi. Ah, Dolores. Oui, c'est logique. Bah, j'attends. Qu'est-ce qui se passe, le. Ok, Eremir. Pourquoi là? Hein? Bah, déjà, c'est qu'il y a quelque chose de louche si je referme la porte et que je parle à quelqu'un. Eriel. Je sors mon arbalète. Voilà, une intelligente. Bah, j'ai sorti mon épée, mon pied, moi. Ouais. Moi, j'avais déjà mon arbalète avec moi. Bonjour. Alors, il y en a un qui ouvre la porte et il a un gourdin à la main. C'est et il se gourdin. Met. Un gourdin, c'est un. C'est un bâton. Tu veux que je te montre mon gourdin? Trick. Non. Ah, j'ai pas dit qu'il avait son gourdin à la main, j'ai dit qu'il avait un gourdin à la main. En plus, c'est le gourdin de quelqu'un. Big Blast Cock. Et on en revient. Avec une touffe de poils. Et le mec, il est là. Et puis, il tape toi. Ok. Tiens, on nous agresse comme ça. Ok, bah elle est mort. Bah il te rate lamentablement. Poum. Naogan. Il y a un mec qui vient de sortir avec un gourdin. Il vient de voir ton pote. Il a même fait les sorties de la fête. Ah, excusez-moi, c'est pas. Excusez-moi, c'est marrant. Il vous fout dans la merde, mais pas rien quoi. Donc je sors ma faux. Et. Là, je pense que vous étiez armé. Quelque chose me dit que vous étiez armé. Oui, ouais, ouais, on était armé. Ok, vas-y, je le ferai. Hé, hey, calme-toi. Non, je le menace. Excusez-moi. Je le menace. Intimidation. Ouais. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu lui dis? Je peux avoir le bouquin de règles? Manuel du joueur. Ouais. Tiens. Vas-y, vas-y. Fais ton test d'intimidation et dis-moi ce que tu lui dis. On se calme maintenant. Chut, chut, chut. Je vous dis. Ouais. Je lui dis, calme-toi ou tu vas goûter à ma faux. On est envoyé par... ton maître. Ton maître. Une comment il s'appelle? Vorstag. Vorstag. Green. Vorstag. Ouais, ouais, Green, il y en a deux. Donc. En plus, non seulement tu essaies de l'intimider, en plus tu essaies de le mytho. On aimerait voir. En fait, j'aurais trop dû le faire. Fais ton test. C'est combien? Ah, attends, je regarde. Mmh. C'est 18. Il a l'air un peu surpris de ce que tu lui racontes. Il est, ça, il a un moment d'hésitation. Impérial. Je continue le bluff de Morgan. Et je lui dis... on a besoin que d'un d'entre vous. Dolores. Bah moi je l'endors. J'adore Dolores parce qu'elle en a rien à foutre de tout ce qu'ils font juste là. Alors tu fais sommeil, c'est ça le maléfice? Mais non, quoi? Ça aurait pu marcher. Attends, j'allais pas la diplôme, ouais. Dors. Ça marche? Bah il est par terre. Oh, caro. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et t'en as combien d'endormissements par jour? Autant, en fait, elle en a à l'infini, mais elle ne peut pas viser deux fois le même dans la journée. D'accord. Eremir. Mais Caron, pourquoi t'as fait ça sur un film marché en plus? Eremir. Attends, va falloir qu'on les défonce. Attends. C'est pas logique. Il y en a d'autres à l'intérieur là, est-ce qu'ils nous voient? Tu sais pas. Ah merde, je te l'ai pas dit. Eremir. Bah attends, t'as une information parce que je dis qu'un seul d'entre vous. Non mais tu vois, c'était pas ça. Dois être attentif à ce que tu dis. Pourquoi t'as fait ça? Ça marche, Eriel. Non mais pourquoi? Mais j'allais. Moi je vois rien.